tu veux te perfectionner en maçonnerie, je te montre les livres à avoir. Alors, si tu es en BP, il y a ce livre, Ouvrage en béton armé. Donc, ce livre, il est un petit peu vieux. Après celui-ci, il y a eu celui-là. Et le dernier, c'est celui-ci, nouvelle édition. À l'intérieur, il y a tout plein d'informations sur le ferraillage, les efforts. Il y a des calculs. Flambage des poteaux, les dalles, les pieux, les différentes fondations en semelle isolée. On parle également de descente de charge. Voilà tout ce qui est sollicitation de la RDM. C'est un livre très intéressant pour les BP, voilà le béton, les presses hydrauliques, etc. Toi, Bac BTS. Super. Un autre livre avec les Eurocodes, l'introduction au béton armé, donc du ferraillage, les classes d'exposition, tout ce qui est calcul, sollicitation. Voilà, il y a beaucoup de RDM. Voilà, très intéressant, de la descente de charge. G, Q, charge d'exploitation, charge permanente. Tout est expliqué dans ce livre. Beaucoup de ferraillage, beaucoup de calculs. Très bon livre. Un autre livre destiné aux brevets professionnels, Bac Pro, ainsi qu'au BTS, Précis, Bâtiment, des éditions AFNOR, Nathan. Également beaucoup de calculs. Voilà, livre très intéressant. Il y a des schémas, des diagrammes. Ils expliquent beaucoup de choses. Les structures, tout ce qui est normes. Il y a des abacs. Voilà, tout ce qui est thermique également. Très bon livre. Dans une prochaine vidéo, je te montrerai d'autres livres destinés aux débutants.